Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir les modes de déplacement des animaux. Donc on va voir ensemble que les animaux ont des moyens variés pour se déplacer. Cela dépend de leur milieu de vie. Ils ont des pattes, des ailes ou des nageoires. Les animaux ont différentes façons de se déplacer. Ils peuvent marcher ou courir. Comme le chien. Le chien est un animal qui marche à quatre pattes. Des animaux qui peuvent sauter. Comme la grenouille. La grenouille se déplace à l'aide de ses pattes. Des animaux qui peuvent voler. Comme des oiseaux ou des papillons. Donc les organes qui permettent aux papillons de voler sont les ailes. Des animaux qui nagent. Par exemple les poissons. Les poissons peuvent se déplacer sous l'eau à l'aide des nageoires. Des animaux qui rampent. Par exemple, le serpent. Et on va voir aussi qu'il y a des animaux qui peuvent se déplacer de plusieurs façons. Par exemple, le canard est un animal qui nage, vole et marche. Le canard peut voler à l'aide de ses ailes et il marche et nage à l'aide de ses pattes palmées. Maintenant, on va faire un petit exercice. Donc, vous allez relier chaque animal aux organes qu'il utilise le plus souvent pour se déplacer. Observe bien ces images, ensuite relie chaque animal avec les organes qu'il utilise pour se déplacer. Le papillon se déplace à l'aide de ses ailes. Donc, je dois relier le papillon avec les ailes. Le canard est un animal qui marche, vole et nage. Donc il vole à l'aide de ses ailes, et il marche et nage à l'aide de ses pattes. La tortue est un animal qui marche, à l'aide de ses pattes. Donc, je dois relier la tortue avec les pattes. La grenouille saute à l'aide de ses pattes. Donc, je dois relier la grenouille avec les pattes. Le chien marche à quatre pattes. Donc, les organes qui lui permettent de se déplacer sont les pattes. Les poissons se déplacent sous l'eau à l'aide des nageoires. Donc, les organes qui permettent aux poissons de se déplacer sont les nageoires. Merci pour votre attention et à bientôt.